Eh bien salut tout le monde, du coup aujourd'hui petite vidéo, on va aller pêcher sur un plan d'eau au niveau de Saint-Père-en-Retz. Apparemment c'est un plan d'eau qui est vraiment vraiment pas mal. Au niveau herbier, il y en a pas mal, il y a des zones un peu plus profondes, des zones un peu plus rocheuses. Donc franchement il devra avoir pas mal de poissons. Après il y a de tout, il y a de la perche, il y a du carnassier sans de brochet. Il y a quand même pas mal de poissons, donc on va aller voir ça tout de suite. Ouais. Oh non! Hein? Non, au chad? Ah, je suis deg. Hein? Ouais. Ouais. Après ici c'est que du petit là. C'est le petit de tout à l'heure. Ouais mais il a refait deux fois le même au moins.
récemment, c'est vrai, j'ai acheté beaucoup de matériel de pêche. Donc vraiment, je voulais tester ces deux nouveaux leurres. Donc un nouveau leurre de chez ProSérie. Franchement, ils ont vraiment pas l'air mal. C'est des gros jarbecs. Ils ont vraiment pas mal de bruit, donc ça devrait faire réveiller pas mal de poissons en surface. Donc on va tester ça. Couleur un peu vert brochet là. Et ici un peu couleur. C'est pas du tout, c'est vraiment artificiel, mais ça pourrait peut-être refléter un peu plus dans l'eau. Enfin, on verra quelle leurre ça devrait mordre le plus. Après, il y a d'autres. Après, c'est pareil, on devrait enchaîner aussi sur des petits leurres que je viens d'acheter, des leurres que je viens d'acheter en 6,5, le Rock Boy Magic. Vraiment une belle colorie celui-ci là, enfin, comme vous voyez, très belle colorie. Un montage texan pour passer au-dessus des herbiers. Reviser de crochet, ça devrait être pas mal. Après, j'ai fait le même montage sur un Rock Vibe 6.5, pareil en coloris blanc. Sauf que là, je l'ai plombé en 14 grammes pour les endroits aussi plus profonds. Pareil avec une petite palette. Palette qui devrait refléter aussi dans l'eau. Donc, comme le Rock Vibe Magic. Lui, c'est en fait, si vous voulez, au soleil. Les paillettes reflètent beaucoup dans l'eau, donc c'est vraiment pas mal. Mais là, sens inverse, celui-ci il ne reflète pas, par contre coloris blanc, donc c'est pas mal aussi. Sauf que lui il a une palette pour vraiment permettre de refléter un peu plus dans l'eau quoi. Donc voilà, on va tester tout ça. Oh, j'en ai un! Ouais, je crois! Ouais, j'en ai un! Petit broc! Allez, vas-y, épuise-moi ça, mon cousin! Ouais, je suis même pas sûr! Oh, attends! C'est bien beau, hein! Impeccable! 50, 60? Ouais! Bien joué! Putain, mais épuisé, par contre, jamais de la vie, je pourrais en mettre. Regarde, comment pire en. Et je me suis dit, mec, je suis sûr sur le bord, en longeant le bord. Bah ouais, c'est... en plus je t'ai vu, j'ai fait le bâtard, je suis sûr il va en faire un là. Je t'ai vu, j'ai fait putain, je voulais le faire. Ouais, bah pourquoi tu l'as pas fait? Bah parce que je voulais tester le blockbuster. Ouais. Tu sais, je t'ai essayé de faire ça. Ouais, c'est bien, mec. Ah putain, ça fait plaisir, ça fait longtemps, hein. Bon, mec, t'as du poisson? Ouais. Pardonne-moi. Ah bah là, oui. Une petite bille comme ça, là, il a kiffé, hein. Ouais. Pourquoi t'as senti pas, en fait? Je sais pas. Ça, par contre, j'ai pas de truc pour enlever les hameçons, moi. Ah ouais, c'est vrai. Arrête-moi ça. Ah, galère, ça. Ah, c'est bon, il s'est enlevé tout seul. Ouais. Ah bah oui. Tu prends une photo ou quoi? Tu prends une photo? Attends, j'ai pas mon... Non, mais en fait, c'est vraiment des photos de merde. Je vais pas prendre une photo là. Une petite photo, ça fait pas de mal. Putain, mon œil décolle. Ah, je m'en doutais qu'il allait avoir un truc au bord, mec. Tiens. Tu l'as acheté hier, le leurre. Hein? Tu l'as acheté hier, le leurre. Bah oui. L'investissement le plus rentable. Ouais. Ça baise. Ah, putain. Bien. Bon, vas-y, c'est bon, maintenant que c'est fait. Il va me saigner les mains, c'est tout. Je vais te montrer après. Attends. Voilà, il est déjà pas mal, hein. Tu vois, c'est déjà pas mal, je trouve. Ouais. Regarde. Alto, il est en train de me le manger. Ah, ah. Tiens. Pauvre bête. Attends, après, faut que je le filme quand je dormais à l'eau. Ouais. Mais le plus dur, c'est de l'avoir là. Après, des fois, il pète des ponts et il bouge à mort.